J'habitais chez moi. J'habitais sur la rue Bellerive à Longueuil. J'étais étudiante en pâtisserie à Jacques Rousseau. Puis j'étais avec mon mari et mes deux enfants, Catherine et Audrey. À Chambly, dans la ville fantôme, c'était noir partout. J'ai manqué d'électricité à peu près 20 minutes parce que j'étais à côté du cégep, Édouard-Montpetit. Puis le cégep était un endroit où les gens pouvaient se réfugier, tout ça. Donc j'étais dans ce coin-là. Donc on a manqué d'électricité là, genre 20 minutes dans tout le verglas. Oui, pendant trois semaines, je pensais. Non, deux semaines. J'ai hébergé des membres de ma famille parce qu'eux n'avaient pas d'électricité, puis moi j'en avais. Alors, il y avait plein de monde chez moi. Il y avait mes grands-parents, des tantes, des oncles, ma belle-mère, mon beau-père. Et puis, je suis aussi allée faire du bénévolat à l'école pour faire de la nourriture pour les gens qui étaient sinistrés au cégep. Alors, on était hébergés chez mes beaux-parents, Jacques et Lise, pendant une semaine et demie. Puis mes parents à moi, semaine à Griffith Park. J'ai été un petit peu impressionnée, là, justement, quand l'armée était dans la rue. Là, ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais peur, j'ai peut-être eu peur de briser mon pare-brise parce que je cassais la glace avec un marteau. Pour pouvoir voir où j'allais, pour aller à l'épicerie, pour nourrir toute la bande que j'avais chez moi. Mais sinon, non, c'est ça. Le fait de ne pas avoir manqué d'électricité, là, tu sais, je pense qu'on a plus peur quand il fait froid, puis quand il fait noir, puis tout ça. Puis moi, c'était pas mon cas. Puis, tu sais, la maison était pleine pour s'occuper des enfants, tout ça. Fait que, non, ça s'est bien passé pour moi. Non, j'ai pas eu peur. Non, on trouvait ça beau, au contraire. Le soir, on se perdait sur la rue, on entendait. J'ai eu peur le fameux vendredi noir, là, où à Montréal, il y en a manqué. Puis là, il n'y avait plus aucun feu de circulation qui fonctionnait. Là, puis c'était le bordel pour revenir sur la rive sud. Là. Ça, je peux dire que cette journée-là, oui, j'ai eu peur. Non, j'ai pas eu besoin d'aide. Tout a bien fonctionné pour nous. J'ai vu l'armée passer dans la rue, ce qui était très impressionnant. Mais non, nous, on a pu subvenir à nos besoins. Là, je pouvais quand même aller acheter des trucs que j'avais besoin. Puis comme j'avais de l'électricité et tout ça, là, on n'a pas eu de problème. Non, pas chez mes parents parce qu'ils restaient proches de l'hôpital Charlemagne puis ils étaient... branché avec l'hôpital, fait que le service a été rétabli assez rapidement. Non, mais tu sais, nous autres, ils nous disaient, hein, prenez pas d'électricité parce qu'il n'y a pas d'électricité. Puis, là, au bord du fleuve, là, on voyait Montréal, là, puis Montréal, c'était tout éliminé. Le stade olympique, puis même l'enseigne d'Hydro-Québec était éliminé. Puis, ils nous disaient, ah, faites attention, prenez pas d'électricité. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah.